Bonjour, je suis Sophie. Bienvenue à ce nouveau concours de dictées à la ville de Neuilly-Plaisance. Je vais vous lire aujourd'hui les dictées pour les collégiens. Alors, je vous fais une première lecture de la dictée des 6e, 5e, écoutez bien, et ensuite nous commencerons la dictée. Un jardin merveilleux. Aladdin sauta dans le caveau et descendit jusqu'au bas des marches. Il trouva les trois salles. Il y passa avec précaution. Il traversa le jardin sans s'arrêter, monta sur la terrasse, prit la lampe allumée dans la niche. Puis il redescendit et s'arrêta dans le jardin. Les arbres étaient tous chargés de fruits extraordinaires, de différentes couleurs. Les blancs étaient des perles, les luisants et transparents des diamants. Les rouges, les plus foncés, des rubis. Il y avait aussi des émeraudes, des saphirs. Et ces bruits étaient d'une grosseur jamais vue au monde. Ce texte est extrait des Mille et une nuits d'Aladin ou la lampe merveilleuse. Maintenant, écoutez bien, je commence la dictée. Aladin sauta dans le caveau et descendit jusqu'au bas des marches. Aladin sauta dans le caveau et descendit jusqu'au bas des marches. Il y trouva les trois salles, point virgule. Il trouva les trois salles, point virgule. Il y passa avec précaution, point. Il trouva les trois salles, point virgule. Il y passa avec précaution. Aladdin sauta dans le caveau et descendit jusqu'au bas des marches, point. Il trouva les trois salles, point virgule. Il y passa avec précaution, point. Il traversa le jardin sans s'arrêter, virgule. Il traversa le jardin sans s'arrêter, virgule. Monta sur la terrasse, virgule. Il traversa le jardin sans s'arrêter, virgule. Monta sur la terrasse, virgule. Prit la lampe allumée dans la niche, point. Prit la lampe allumée dans la niche. Il traversa le jardin sans s'arrêter, virgule. Monta sur la terrasse, virgule, prit la lampe allumée dans la niche, point. Puis il redescendit et s'arrêta dans le jardin, point. Puis il redescendit et s'arrêta dans le jardin. Les arbres étaient tous chargés de fruits extraordinaires, virgule. Les arbres étaient tous chargés de fruits extraordinaires, virgule, de différentes couleurs, point. De différentes couleurs, point. Les arbres étaient tous chargés de fruits extraordinaires, virgule, de différentes couleurs, point. Les blancs étaient des perles, point virgule. Les blancs étaient des perles, point virgule. Les luisants et transparents, virgule, des diamants. Les luisants et transparents, virgule, des diamants, point virgule. Les blancs étaient des perles, point virgule. Les luisants et transparents, virgule, des diamants, point virgule. Les rouges les plus foncés, virgule, des rubis, point virgule. Les rouges les plus foncés, virgule, des rubis, point virgule. Et il y avait aussi des émeraudes, virgule. Il y avait aussi des émeraudes, virgule. Des saphirs, point. Je reprends ce petit paragraphe.
Les blancs étaient des perles, point virgule. Les luisants et transparents, virgule, des diamants, point virgule. Les rouges les plus foncés, virgule, des rubis, point virgule. Il y avait aussi des émeraudes, virgule, des saphirs, point. Et ces fruits étaient d'une grosseur jamais vue au monde, point. Et ces fruits étaient d'une grosseur jamais vue au monde. Point final pour les sixièmes, cinquièmes. Je vais vous relire le texte une dernière fois. Un jardin merveilleux. Aladdin sauta dans le caveau et descendit jusqu'au bas des marches. Point. Il trouva les trois salles. Point virgule. Il y passa avec précaution. Point. Il traversa le jardin sans s'arrêter. Virgule. Monta sur la terrasse, virgule, prit la lampe allumée dans la niche, point. Puis il redescendit et s'arrêta dans le jardin, point. Les arbres étaient tous chargés de fruits extraordinaires, virgule, de différentes couleurs, point. Les blancs étaient des perles, point virgule. Les luisants et transparents, virgule, des diamants, point virgule. Les rouges les plus foncés, virgule, des rubis, point virgule. Il y avait aussi des émeraudes, virgule, des saphirs, point. Et ces fruits étaient d'une grosseur jamais vue au monde, point final pour les sixièmes, cinquièmes. Nous allons maintenant faire la dictée qui s'adresse au quatrième, troisième. Donc dans un premier temps, je vais vous lire ce petit paragraphe et ensuite nous allons commencer la dictée. Il eut envie d'en cueillir de toutes les sortes. Il en emplit ses poches. Il en enveloppa même dans les plis de sa large ceinture d'étoffe. Ainsi, chargé de tant de richesses, Aladdin reprit le chemin des trois salles. Il fit très attention de ne rien toucher et remonta par où il était descendu. Le magicien l'attendait avec impatience à l'entrée du caveau. Point final. Nous allons commencer la dictée. Je commence. Il eut envie d'en cueillir de toutes les sortes. Il eut envie d'en cueillir de toutes les sortes, point. Il eut envie d'en cueillir de toutes les sortes, point. Il en emplit ses poches, point. Il eut envie d'en cueillir de toutes les sortes, point. Il en emplit ses poches, point. Il en enveloppa même dans les plis de sa large ceinture d'étoffe, point. Il en enveloppa même dans les plis de sa large ceinture d'étoffe. Il eut envie d'en cueillir de toutes les sortes, point. Il en emplit ses poches, point. Il en enveloppa même dans les plis de sa large ceinture d'étoffe, point. Ainsi chargé de tant de richesses, virgule, ainsi chargé de tant de richesse, virgule, Aladdin reprit le chemin des trois salles. Aladdin reprit le chemin des trois salles. Ainsi chargé de tant de richesse, virgule, Aladdin reprit le chemin des trois salles. Point. Je reprends le paragraphe depuis le début. Il eut envie d'en cueillir de toutes sortes, point. Il en emplit ses poches, point. Il en enveloppa même dans les plis de sa large ceinture d'étoffe, point. Ainsi chargé de tant de richesses, virgule, Aladdin reprit le chemin des trois salles, point. Il fit très attention de ne rien toucher
il fit très attention de ne rien toucher et remonta par où il était descendu. Il remonta par où il était descendu. Point. Il fit très attention de ne rien toucher et remonta par où il était descendu. Point. Il fit très attention de ne rien toucher et remonta par où il était descendu. Point. Le magicien l'attendait avec impatience. Le magicien l'attendait avec impatience à l'entrée du caveau. Point final. Le magicien l'attendait avec impatience à l'entrée du caveau. Point. Je vous fais une relecture calmement de tout ce paragraphe. Il eut envie d'en cueillir de toutes les sortes. Point. Il en emplit ses poches. Point. Il en enveloppa même dans les plis de sa large ceinture d'étoffe. Point. Ainsi, chargé de tant de richesses, virgule, Aladdin reprit le chemin des trois salles. Point. Il fit très attention de ne rien toucher et remonta par où il était descendu. Point. Le magicien l'attendait avec impatience à l'entrée du caveau. Point. Ce dernier paragraphe est aussi extrait des Mille et une nuits d'Aladin ou la lampe merveilleuse.